Je veux passer à l'antenne d'un talk show à l'américaine, un truc plein de polémiques, de mauvais goût et de séquences obscènes. Geoffroy, le chef du JDD, est venu me chercher. Il m'a dit: je sais ce qu'il te faut comme émission de télé. Je te le dis tout de suite, ça se passe sur C8, là où la pensée n'est pas encore trop déconstruite. C'est une bonne place pour défendre notre terre contre ces woke bien pensants qui veulent croiser le fer. J'ai prié 2 semaines la statue de Saint-Bolloré. J'ai sacrifié au moins 200 paquets de feuilles au CV. Et puis n'écoutant que ma foi, je leur ai envoyé mon CV. Ségolène Royal l'a fait, je devrais pouvoir y arriver. J'ai du courage et plein de blagues macho. À côté de moi, Bigard passera pour Victor Hugo. Car c'est la première fois pour moi que j'affronte le CSA. Et j'espère être digne de la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, on relève le niveau. Dans la télé, oh, Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, assez autre chose que Pernod. J'ai été recruté chroniqueur à TPMP. J'ai su que j'étais à ma place dès la première journée. On s'écharpe sur un sujet d'une importance extrême, pour ou contre la couleur de peau de la petite sirène. Ici la pensée est libre, on parle de tout sans détour. Surtout d'Éric Zemmour et puis d'Éric Zemmour. Je regarde ma tribu et la fierté gagne mon front. C'est comme les Avengers mais version bidochon. Quand le chef rigole, tout le monde rigole. On boit ses paroles, ses vannes sexistes ou homophobes. Et quand un député s'amène et critique Bolloré, on lui dit de niquer sa mère, c'est ça la liberté. Bolloré c'est notre dieu, t'es mort si tu prononces son nom. C'est comme Voldemort mais croisé avec un breton. C'est pillage en Afrique et sa main mise dans les médias. Y'a des choses qu'on dit pas dans la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, parfois ça vole pas très haut. Dans la télé, oh, Hanouna, la li la la, oui à côté, oh, Francis Lalanne fait un télo. Je me suis réveillé en sueur, mon dieu c'était un cauchemar. J'ai vérifié 10 fois qu'il y avait pas Yann Wax dans le placard. Pour en avoir le cœur net sur le net, je me suis renseigné. J'ai vu que mon rêve était en dessous de la réalité. Humiliation, menace, chantage à tour de bras. Il règne sur son clan comme un gourou de secte de yoga. Interview hors la loi des policiers non déclarés. Depardieu n'est pas un violeur, c'est juste qu'il est bourré. Depuis 14 ans que cette tribu se réunit, ils ont reçu assez d'amendes pour combler la dette du pays. Moi j'ai encore le rire d'Hanouna qui résonne dans ma tête. Faut vite que je me fasse l'intégrale déchiffrer des lettres. Cher public, j'espère que vous pardonnerez cette goguette qui a le flow de Jean-Michel Blanquer en cours de stretch. Dites-vous que pour l'écrire, j'ai dû apprendre sur le bout des doigts la fiche Wikipédia de la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, Hanouna, la li la la, dans la télé, oh, on crame des millions d'euros. Dans la télé, oh, sur Pascal Pro.